100 jours pour le nouveau gouvernement et une interview télévisée d'Aziz Arnouch qui restera dans les annales. Le chef du gouvernement donnait sa première interview télé pour défendre, expliquer son bilan. Mission réussie ou mission ratée ? Eh bien, pour une bonne partie de l'opposition, sans surprise, c'est un échec. Une fois n'est pas coutume, interview dans le scan avec un responsable politique, Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Bonjour Nabil Ben Abdallah. Bonjour. Secrétaire général du PPS, qu'avez-vous pensé de la première sortie télévisée de Aziz Arnouch ce mercredi soir ? C'est comme beaucoup d'autres milieux, notamment parlementaires, j'aurais souhaité que cette sortie est attendue depuis plusieurs semaines, puisqu'il y avait un silence assourdissant aussi bien du chef du gouvernement que du reste des membres du gouvernement, que cette sortie se fasse au niveau du Parlement. Il faut déjà signaler que le chef du gouvernement a évité d'aller au Parlement dans le cadre des rendez-vous institutionnels, constitutionnels impératifs prévus par la Constitution. Il va le faire en rattrapage le 31 janvier. Et puis, il y avait cette occasion de pouvoir présenter ce bilan d'étape devant le Parlement. Il a choisi les médias, son droit, ceci étant, mais ça manquait de chaleur, ça manquait de vivacité. C'était une émission enregistrée. Ça vous a surpris d'ailleurs que ça soit enregistré, cette émission, et pas en direct, contrairement à ses deux prédécesseurs ? Oui, ben écoutez, je pense que ceci enlève tout de suite beaucoup de vigueur à cette sortie. C'est profondément ressenti. Et je pense qu'il est bon pour la vivacité de l'actuel de la scène politique, pour la crédibilité des institutions. Il est bon pour l'action du gouvernement et son impact auprès de l'opinion publique que les prestations du gouvernement et notamment du chef du gouvernement soient plus soutenues, plus vigoureuses. Il aurait été préférable, comme je l'ai dit, de choisir le Parlement, ce qui n'empêche pas d'avoir une prestation médiatique parallèle. Écoutez, de manière très objective, cette sortie n'a rien apporté de particulier. D'abord, sur le plan de la forme, au niveau du renforcement de la présence politique du gouvernement. On en est encore à une présence extrêmement faible que tout le monde critique. En second lieu, cette sortie n'a pas apporté de grain à moudre par rapport à la vivacité communicationnelle, la présence communicationnelle forte qui doit être celle d'un gouvernement pour porter ses réformes, pour les expliquer, pour occuper la scène. Bah, pas de chiffres ou très peu de chiffres également dans cette sortie médiatique. En second lieu, eh bien, on sent qu'il y avait des occasions, parce qu'il faut dire de manière objective qu'il y a, sur ces derniers jours en particulier, deux, trois questions sur lesquelles il aurait pu y avoir plus de présence. D'abord, le plan de soutien au tourisme, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il aurait été bon d'expliquer que d'autres secteurs économiques également méritent d'être soutenus et que l'activité économique de manière générale nécessite une intervention forte de l'État, comme cela a été le cas pour la majorité des pays. Ce n'est pas le cas, le gouvernement était aux abonnés absents de ce côté, pas de chiffres, pas de vision. En second lieu, c'est bien qu'il y ait eu un dialogue social au niveau de l'éducation, mais au moins, il aurait été bon de porter en quoi ce dialogue social, qu'est-ce qu'il comportait précisément comme engagement, ça n'a pas été déclaré. Et puis, la troisième question, c'est celle de l'élargissement de la couverture sociale. C'est bien, les décrets adoptés. La couverture sociale signifie des prestations de soins de qualité. Quels sont les engagements à ce niveau ? Il n'y en avait pas. Et vous aurez remarqué, comme moi, qu'au-delà du fait qu'il y avait peu de chiffres, peu d'engagements, peu de réformes annoncées dans le temps, quand ? Qu'allons-nous faire, par exemple, en 2022 ? Quelles sont les priorités ? Il y a une sorte de décalage, de renvoyer au calendrier grec un certain nombre de choses après la pandémie, systématiquement pour toutes les questions. La question de la retraite, eh bien, nous la traiterons après la pandémie. La question de la caisse de compensation, nous la traiterons après la pandémie. La question des contractuels dans l'enseignement, ce sera traité après la pandémie. Donc, vous voyez, je pense qu'il y avait l'occasion de rassurer, d'annoncer des choses, de clarifier la voie, de se donner un certain nombre d'horizons et de perspectives. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. De surcroît, je peux vous dire qu'au niveau des réactions sur les réseaux, dans différents milieux, eh bien, ce n'est pas une déclaration qui aura provoqué beaucoup d'élan.
ni beaucoup d'allants non plus. 100 jours de gouvernement, Nabil Ben Abdallah, très franchement, quel bilan global vous en faites, autant sur les points positifs que sur les points négatifs, en dehors de la communication au niveau de l'action politique? Écoutez, de manière concrète, je vous dis, je viens de signaler trois choses. C'est bien, c'est à mettre au crédit de ce gouvernement. Bon, d'abord, l'accompagnement des décisions royales importantes en matière de préservation du pays par rapport aux répercussions sanitaires, en particulier sanitaires, de l'épidémie de la Covid-19. En second lieu, il faut signaler, même si c'est tardif, ce plan annoncé il y a 2 jours concernant le tourisme, parce que c'est un secteur qui est en détresse profonde et qui se relèvera très difficilement de ce qui est en train de se passer. Les experts en matière de tourisme disent que pour retrouver les chiffres de 2019, il faudra probablement attendre 2027 ou 2028 si les frontières sont ouvertes rapidement et si le secteur redémarre dans les plus brefs délais. Et il faut également signaler ce dialogue social entamé en matière d'éducation. Je pense qu'il faut encourager notre ami Chakib Ben Moussa dans cette voie parce que ça lui permet de mettre les ressources humaines de l'éducation sans lesquelles il n'y a pas de réforme possible de son côté. J'espère qu'il ira encore plus loin sur la question des contractuels, notamment qu'il a promis de régler. Voilà. Et je rajouterai bien sûr cette affaire de couverture sociale des décrets adoptés. Mais quid, je le disais tout à l'heure, parallèlement, c'est bien qu'il y ait élargissement, mais quelle va être l'offre de soins. Et puis il y a les autres aspects qui concernent la couverture sociale, qui sont les allocations familiales, la retraite. Et donc ce sont des questions importantes, et les indemnités pour perte d'emploi également, qui en particulier par ces temps de Covid, doivent être également traitées. Mais sur le reste, eh bien, le soutien à l'économie, comment l'économie va redémarrer, ce n'est pas seulement mon propos, c'est également celui des milieux d'affaires dans le pays qui se posent des questions sérieuses par rapport aux fermetures d'entreprises et aux faillites par milliers et aux pertes d'emplois par dizaines de milliers. Qu'est-ce que vous avez pensé justement, Nabil Ben Abdallah, des 13 milliards de dirhams de remboursement de crédit TVA là, d'ici fin février 2022? C'est une bonne chose ou est-ce que c'est une manne financière qu'on aurait pu utiliser plus tard? Non, je pense que c'est une bonne chose parce que vous savez que les entreprises sont en train de se mouiller de plus en plus et de vivre une situation extrêmement grave, en particulier les petites et moyennes entreprises. Et d'ailleurs, je salue la position de la CGM, celle de dire qu'il faut accorder la priorité aux petites et moyennes entreprises au niveau du remboursement de la TVA. C'est une bonne chose. Ça a été déjà fait par d'autres gouvernements sur les 2 derniers mandats. Il faut le faire avec force. De toute manière, c'est un dû et c'est un droit pour ces entreprises. Donc maintenant, ça sera une sorte de respiration par rapport à ces entreprises et j'espère que ça leur permettra de mieux se porter. Mais il faudra un plan de soutien autrement plus important dans la matière. J'aimerais signaler que nous n'avons, mis à part ces questions concernant l'élargissement de la couverture sociale et les décrets apportés, nous n'avons pas d'engagement précis concernant les questions de réforme de la santé, mais également de la réforme de l'éducation. Les autres grandes questions sociales qui se posent en matière d'inégalité sociale, d'inégalité spatiale, comment porter les régions, notamment les plus défavorisées, et faire en sorte que les choses se développent. Il y avait l'occasion de parler concrètement des efforts qui doivent être faits, alors même que nous vivons une sécheresse et qu'il n'y a pas de pluie, et qu'il s'agit de soutenir de manière forte, notamment les petits agriculteurs, outre le fait que des régions entières vont probablement manquer d'eau potable. Si cette sécheresse persiste, nous n'avons rien entendu de ce côté. Et puis, il y a la question de la culture qui aurait pu être constituée également un créneau, parce qu'on continue de se poser la question, comment, alors même que des restaurants sont ouverts, des hôtels sont ouverts, qu'un certain nombre d'activités continuent d'avoir lieu, pourquoi fermer les lieux de culture? Déjà, les artistes dans différents secteurs se portent très mal, pourquoi continuer dans ce sens? Et vous le remarquerez avec moi, rien sur le champ institutionnel, rien sur le champ politique, rien sur le champ démocratique
quels sont vos engagements pour raviver la scène politique, lui donner plus de vigueur, la question des libertés collectives et individuelles, la réforme du code pénal, la réforme du code de procédure pénale. Je sais que mon ami Abdoul Tefouabi fait des efforts de ce côté, mais mettez-les en valeur, avancez, activez pour que ce champ politique puisse retrouver plus de crédit auprès de la population. Et je pense qu'il faut prendre conscience d'une chose, continuer de ressasser que ce gouvernement a bénéficié de la confiance populaire et a récolté 5 millions de voix sur 8 millions. J'aimerais préciser la chose suivante, il a récolté 5 millions de voix sur 25 millions de Marocains qui normalement devraient voter. Il y en a déjà 7 à 8 millions qui ne sont même pas inscrits sur les listes. Sur les 18 millions qui sont inscrits, moins de la moitié seulement s'est déplacée pour aller voter. Sur cela seulement, vous avez les 5 millions, mais soit, mais que cela ne vous donne pas une attitude de suffisance, voire de quasi-arrogance, et de considérer que ce gouvernement est donc fait de compétences, que ses compétences savent, etc. Mais de grâce, soyez conscient d'une chose, c'est très bien d'apporter un certain nombre de compétences technocratiques pour y connaître les dossiers, mais c'est mieux encore lorsque nous avons la capacité de prendre des décisions, d'aller au-devant des attentes populaires, de savoir mobiliser une opinion publique et de savoir mettre au travail un pays. Et ça, c'est l'œuvre d'abord et avant tout de compétences politiques dont manque cruellement ce gouvernement. Merci beaucoup Nabil Ben Abdallah. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Archaoui. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.